Eni Dany Basson et Mitumba Ebenezek et Pombia, que se passe-t-il? Les enfants à la quiétude inquiète, ce qui les intéresse ce n'est pas la vérité, mais plutôt le fruit de leur imagination. Personne ne veut comprendre que Mitumba a eu raison ou pas, mais ils préfèrent juste allumer les braises pour y jeter leurs vaines émotions. Eni Dany était sous contrat, elle a donné sa parole d'être là pour la promotion du film, chose qu'elle n'a pas respectée. C'est facile de dire que le couple Beyoncé et Gigi de Ndogbong sont des tyrans, mais n'oubliez jamais qu'ils rendent compte aussi à Canal+. Et Canal+, étant un gros partenaire dans la série, je pense que le mieux à faire c'est être sérieux. Je dirais que notre actrice est une grande indisciplinée à ce niveau-là et c'est cette indiscipline qui parfois fait sombrer les plus grands esprits. Aujourd'hui, vous jactez de partout en voulant lui donner raison de n'avoir pas honoré son contrat, n'oubliez pas que si aujourd'hui elle peut tutoyer les étoiles, c'est grâce à la personne qui n'aime pas qu'on prononce son nom et du producteur, et à son tour elle a donné de son talent en retour, mais si au départ on n'avait pas cru en elle, elle serait pas l'objet de nos hormones en ébullition. On n'aime pas les gens en disant ce qu'ils veulent entendre, parfois il faut souvent leur remonter les bretelles pour sauver leur vie et leur carrière. Eni Dany. Ça s'appelle de l'indiscipline tout simplement, quand tu veux aller loin, il est bon de garder son sang-froid et d'avancer malgré la tempête, tu étais de l'autre côté du mur, tu sais à quoi ressemble le monde quand on est opprimé. Tu as bravé le destin pour être là, ne gâche pas tout avec des malentendus et des conjectures. Un jour tu deviendras grande, mais qui ne sait être un bon serviteur, ne saura comment être un bon maître. Ce que je reproche à Gigi de Youpougon, c'est ce manque de tact. Ce qui manque à ce monsieur, c'est la gestion des gens et de sa langue non diplomatique. Comment tu peux aisément t'asseoir et jeter celle dont tu dis considérer comme ta fille à la vindicte populaire? Je sais ce que tu essaies de faire, tu voulais juste passer un message à Canal+ et leur dire que celle que vous plébiscitez est en train de se bronzer sous des rayons ultraviolets arabes au lieu de faire la promotion comme d'autres. Monsieur, vous devriez protéger vos enfants, cacher leurs fautes et les blâmer quand vous êtes seul. Un peu de diplomatie mais blondinet. Quand on vous demande, pourquoi Amy n'est pas là? Vous dites, elle voulait un peu passer du temps avec son fils, elle a donné trop cette année. C'est ainsi qu'on reconnaît les leaders. Ça vous garde dans une position de force. La coach blonde, un jour je reviendrai plus sage.